Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémaniacs, une autre vidéo aujourd'hui où est-ce que je vais parler avec mes deux petites princesses de Kung Fu Panda 3. J'ai avec moi Nicolane qui est âgée de 10 ans. 10 ans. C'est tout nouveau, donc elle ne s'en rappelle pas. Et j'ai Marie-Jeanne qui va bientôt avoir, mais des fois qu'elle joue comme un enfant de 6 ans. C'est Non? vrai. OK. Parfait. Alors, je vais vous lire le synopsis vite de Kung Fu Panda 3. C'est lorsque le père panda de Po, disparu depuis longtemps, fait un retour soudain. Le duo réuni voyage en direction d'un paradis pour les pandas secrets où ils font la connaissance d'une panoplie de nouveaux personnages hilarants. Cependant, quand le méchant et surnaturel Kai entreprend un balayage de la Chine et bat tous les maîtres du Kung Fu, Po doit réussir l'impossible, entraîner ses frères maladroits qui préfèrent s'amuser, à former une bande ultime de pandas experts en Kung Fu. Ce film est réalisé par Jennifer Yu Nelson, qui a réalisé également Kung Fu Panda 2. Et aussi Alessandro Carloni, c'est des scénarios de Jonathan Abel et Glenn Berger. Ça met en vedette pour les voix Jack Black, bien sûr, qui revient dans le rôle de Po, Angelina Jolie qui joue le rôle de Tigresse. Il y a Dustin Hoffman qui fait le rôle de Shifu. Shifu, son nom. Il y a Jackie Chan qui fait le singe. Seth Rogen qui fait la menthe religieuse. Lucy Liu qui fait Vipère. David Cross qui fait la grue. Il y a James Wong, Randall Duck Kim, Bryan Cranston qui fait la voix du père de Po et J.K. Simmons qui fait le Kyle le méchant et Kate Hudson qui fait une danseuse svelte Avec un ruban. avec un ruban qui fait des petits clins d'œil à Po, mais c'est pas une histoire d'amour, c'est vraiment très très comique. Non, non, Et il faut pas elle tombe oublier. amoureuse de... Elle tombe Non, tu amoureuse penses, ouais, de... c'est ça, Et je il faut pense. pas oublier qu'on a les enfants d'Angelina Jolie et De Jack Black. de Jack Black qui ont fait des voix de personnages dans Kung Fu Panda. Oui, parce que on a été invité par les gens de Fox. C'était une présentation, un lancement mondial à travers les salles de cinéma qui est évidemment en anglais. On Il y a avait un eu tapis rouge qui était au Chinaman Theater à Los Angeles, à Hollywood, pour le tapis rouge avec tous les acteurs, les gens qui ont travaillé pour le film. Et c'était en simultané avec un léger décalage pour avoir un montage parfait, là, avec des entrevues en direct avec les acteurs qui ont travaillé sur le film. Puis là, c'est là qu'on a vu qu'il y avait des enfants qui disaient: J'ai fait la voix du petit lapin, j'ai fait la voix de tel Et personnage. on a eu la chance d'avoir du popcorn et une liqueur, une boisson gratuite. Ouais. Par personne, chaque personne qui est dans le cinéma. Donc, soit on était quatre, on avait quatre popcorn, Un quatre grand boissons. merci aux gens de Fox Canada pour ça. C'était délicieux. Oui, je vais laisser le public cible, les deux petites demoiselles ici, qui vous disent si oui ou non ça vaut la peine d'avoir ça au cinéma. Je vais commencer avec Marie-Jeanne cette fois-ci. MJ, tu vas dire aux gens si ça vaut la peine d'avoir ça au cinéma et pourquoi? Moi, j'ai adoré. J'adore toujours réécouter les Kung Fu Panda. Donc, nous, on s'était mis dans l'ambiance. On avait écouté le 1 et le 2. Et j'adore tout le temps ça, c'est tout le temps des histoires différentes et du 1 au 3, c'est ce qu'on peut remarquer en voyant vraiment les 3 de suite. C'est là qu'on peut remarquer qu'on a un personnage qui évolue énormément, qui passe d'une personne qui sait pas faire des kung fu à une personne qui doit entraîner d'autres gens Qui comme va lui, de devenir la un même maître. espèce, qui va devenir un maître pour eux. Donc, c'est vraiment une évolution, une grosse évolution qu'on voit à travers le personnage principal. Pour aider les gens, au début du troisième film, on se retrouve avec Po qui est Shifu. Lui veut passer au stage de Oogway, la tortue qui était dans le premier film, à un grand maître et veut laisser la place comme de professeur à Po, puisque c'est lui le dragon guerrier. Sauf que Po n'a pas d'expérience et c'est ce qu'on comprend un peu dans le film, c'est que si tu es toujours dans ta petite ouate, ben, tu vas jamais vraiment évoluer parce que tu es juste dans ce que tu connais. Et le film met Po dans une situation un peu inconnue et le fait d'être entouré de d'autres pandas lui permet au travers de son environnement naturel de pouvoir se redécouvrir et d'évoluer dans ce film-là. Et quand tu dis, quand tu parles de Oogway, ça aussi c'est un autre point que j'ai vraiment aimé. On fait beaucoup de rappels au premier et au deuxième film. On ramène Oogway dedans. Il y a même des séquences C'est vraiment le vidéo du fun. premier et du deuxième qui aident pour ceux que ça doit faire quelques années ou en tout cas un bon Qui n'ont temps qui pas n'ont les pas vu. DVD, qui n'ont pas les Blu-ray, mais C'est qui vont ça. voir, donc ça aide vraiment à se rappeler des autres. Ça l'explique visuellement un peu où est la mère de Po, le père de Po, comment c'est arrivé,
Le père adoptif de Po aussi est beaucoup plus présent, le canard là, qui est là-dedans, ouais, qui est beaucoup plus présent qu'on pense, même plus que les deux premiers films. Puis... C'est très chaleureux. Puis on emmène tous les personnages, donc on s'attend, il y a beaucoup beaucoup de personnages, mais ici on nous montre que on peut tout combattre avec nos forces. Donc tous les personnages sont importants. C'est sûr, on voit beaucoup moins les cinq cyclones, mais on voit beaucoup la tigresse. Mais chaque personnage, chaque panda peut être maladroit, mais Po les entraîne avec leur force. Donc c'est ce qui amène n'importe quelle force que toi, force, tu peux faire la avec. La force de l'amour paternel, de l'entourage familial, des gens que l'on aime, c'est ce qui est dans ce film-là un peu le chai, l'espoir qui amène le meilleur en soi, et c'est ce qui permet de vaincre le mal un peu. Ouais. Kai qui est le méchant là-dedans avec les lames de jade. Lui, son pouvoir, c'est qu'il vient du monde de l'au-delà. Ouais. Et il est revenu dans le monde du réel pour pouvoir anéantir toutes les maîtres du kung-fu, tout ce qui a été laissé par Uguay, la tortue. Ouais. Pour lui, c'est mauvais, puis il veut prendre sa place. Mais on comprend pourquoi dans le film. On nous explique, Shifu explique. C'est ça aussi qui est très bon dans toutes les kung-fu là. À chaque fois qu'on comprend pas d'où vient le méchant, puisque Po se le demande, mais Shifu est toujours là, puis il explique toujours vraiment l'histoire au complet, puis ça rend un film qu'on comprend bien. Le film, toi, Nico, pour un enfant de 10 ans, là, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous regardent? Ça vaut la peine? Ben oui. Ouais. Puis qu'est-ce que j'aime surtout de ça, c'est que, un, il n'y a pas juste un monde, que dans. Un, il y aura Né Ougoué. Faut pas tout dire les affaires, les gens ils veulent pas tout savoir. Dis-leur si c'est bon ou non. Qu'on a vu dans le premier film, on va voir plusieurs des reprises du premier, du deuxième, ouais. Qu'on a mélangé ça dans le troisième avec la famille. Le film reste en soi très original et différent des deux premiers, ouais. Mais complète aussi bien les deux premiers films de Kung Fu que lorsque l'on a vu Histoire de Jouet 3, qui complétait très bien l'histoire de Jouet 1 et 2. Vous pouvez préférer une trilogie ou l'autre. Pour moi même, c'est le comparatif que j'ai fait avec ma conjointe lorsqu'on est sortis et les enfants. J'ai dit ça, pour moi, ça complète aussi bien l'histoire que Histoire de Jouet 3 faite pour les deux familles. Là, tu dis que ça complète, mais on a appris qu'il y a d'autres films qui s'en viennent. Ouais. Oh, à la base, les plans de DreamWorks, dans la mesure de la faisabilité, c'est-à-dire monétaire, il est supposé avoir 6 films de Kung Fu Panda. Là, on devrait donc être au milieu, mais je peux vous dire que Kung Fu Po, de comme dire Kung Fu Panda, Po est rendu à un stade assez incroyable. C'est comique et en même temps ça le met dans un il devient un personnage très 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 important, disons pas puissant, disons important dans le village où est-ce que Po réside. Et c'est ce que moi je vous le recommande. Je sais pas si les enfants peuvent vous dire s'ils veulent le revoir au cinéma. Oui. Je pense même, je vous dirais, le 3D, le visuel est incroyable. Nous, on n'a pas eu la chance, mais juste avec les effets qu'on voit, les effets spéciaux qu'on voit ici, le 3D doit être juste formidable. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que on voit que l'importance de famille, là-dedans, que c'est très important, puis que s'amuser, c'est très plus important aussi. Oui. Et je pense que vous pouvez remarquer, on a toutes des âges différentes de moi. Ma soeur et mon père, et les trois, y compris Cathy. Oui. On a tous très bien aimé le film. C'est vraiment un film qu'on a adoré. On est sortis de là, puis on avait déjà envie de le revoir. Oui. Ma grande, fait ça. On vous le recommande. deux points importants. Mon côté de père de famille qui vient me chercher là-dedans, parce qu'il y a un côté très, très important dans l'histoire de Po et son père qui est venu chercher en dedans. Et il y a aussi Angelina Jolie qui est maintenant connue mondialement du fait qu'elle a eu des enfants, qu'elle a adopté des enfants. On voit à travers Tigresse dans le film le côté maternel qu'elle a avec d'autres petits pandas. C'est, ouais. c'est pas juste cute, c'est comique, ça fit au film. Elle puis travaille c'est agréable. Tous les petits personnages sont tous importants. Les cinq guerriers ont chacun un rôle important dans le film, malgré le fait qu'ils n'ont pas une présence aussi grande que dans les premiers films. Ouais. Ils sont tous là, Shifu. Ogui est beaucoup plus important que dans les deux premiers films. La tortue qui est partie dans le premier, c'est peut-être un spoiler de vous le dire, mais dans ce film-là, on le voit à quelques reprises et il est très très important.
C'est. Ça me fait comprendre des choses. Il devient un peu le Yoda de l'univers de Kung Fu Panda. Puis moi, la fois que je veux revoir le film, puis j'ai hâte de Ouais. voir si. Il faut que ce film-là marche au cinéma parce que je veux voir d'autres aventures de Kung Fu Oui. Panda. Oh oui. Alright, C'est parfait, on super. arrête là-dessus. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous dit à la À la prochaine! prochaine! Sur ce maniaque, mon nom est Délia Lumière avec Nicolas et. Marie-Jeanne. Parfait, merci et au revoir!